je vais être le pont entre la Chine et la France pour le milieu académique. Moi, je me définirais comme un passeur d'informations et identifier là où sont les besoins, là où sont les attentes, et de pouvoir ensuite faire que les gens se rencontrent et puissent, à partir de ces rencontres, que des projets puissent naître. On vient de quitter Shanghai. On va vers Nankin, qui est la capitale de la province du Jiangsu, qui est une des provinces dont le consulat s'occupe, puisque la circonscription du consulat couvre non seulement la ville de Shanghai, mais également trois autres provinces, donc qui sont le Jiangsu, le Zhejiang et l'Anhui. Nankin, c'est la capitale de la province du Jiangsu. C'est une ville universitaire importante. On dit que c'est la troisième ville universitaire de Chine. Alors là, on est à l'Alliance française de Nankin, où je viens rencontrer le nouveau directeur qui a pris ses fonctions il y a un mois et que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Monsieur Amel. Enchanté. Et les salles de cours sont où? Alors, les salles de cours, il y en a une partie ici. Je téléphone à ma petite amie. Mais elle ne veut pas répondre au téléphone. C'est impossible. C'est pas possible. Tu es tellement un homme magnifique que tu sais qu'elle va te téléphoner, c'est ça? Bon, imaginez, elle rencontre encore un homme, ils tombent amoureux, ils sont ensemble, et un jour, François arrive. Ok, vous avez compris. Bon, c'est l'heure. Alors, le lycée des langues étrangères de Nankin, il fait partie des quelques lycées qui se sont spécialisés dans les années 60 dans l'enseignement des langues étrangères. Et donc, c'est un endroit qui forme 99 élèves à l'apprentissage de la langue française pendant leurs 7 années de collège et de lycée. Et là où ils sont allés faire leurs études, hein? La moitié à l'étranger et la moitié qui reste en Chine. Donc ça, c'est la Chine? Ça, c'est la Chine, oui. Et ça, c'est les étrangers? Oui, et ça c'est la France. France. Ça c'est la France. Oui, Sciences Po. Voilà, on va laisser là. Laisser là. Et on va ajouter. Ah, au fur et à mesure, ouais. C'est bien. Les rencontres comme aujourd'hui, elles sont importantes pour mon travail au quotidien parce que ça nous permet de garder un lien fort avec nos partenaires. Rencontrer le proviseur, ça nous permet de rappeler que c'est un partenaire qui a un compte pour la coopération franco-chinoise. Donc ce sont des moments où on se remercie et où on évoque aussi les pistes de coopération possibles pour les mois et les années à venir. Bonjour Elodie, ça va? Oui, ça va? Ça va? Ça va. Alors, c'est pas quelque chose que je fais de manière habituelle, de parler comme ça avec des étudiants. Moi, mon travail, c'est plutôt de superviser le bon fonctionnement du programme, de faire en sorte que les étudiants soient recrutés au bon moment, qu'on ait les professeurs qui viennent au bon moment. Mais là, c'était intéressant de les rencontrer parce que ce sont deux étudiantes qui ont des projets d'études pour la France l'année prochaine. Et donc, ça permet aussi pour nous et pour moi de valoriser notre programme en pouvant échanger comme ça avec des étudiantes pour qui la classe élite a été un vrai déclencheur. Alors là, elles vont nous faire rencontrer la nouvelle promotion de la classe élite, donc celle qui a été recrutée en septembre, et qui ont actuellement un cours avec Charlotte, qui est la lectrice, professeure de français langue étrangère. Alors, on est actuellement sur le campus de l'Université du Sud-Est de la Chine, qui est une université spécialisée dans les sciences de l'ingénieur, une des très bonnes universités de la province du Jiangsu et de la Chine en général. Et je vais rencontrer le vice-président en relations internationales. L'idée, c'est de faire un point sur les coopérations que cette université a avec nos écoles d'ingénieurs françaises. Je peux envoyer encore plus d'étudiants en France. D'accord. Bon, enfin, évidemment, le fait que vous soyez les leaders dans une discipline des sciences de l'ingénieur qui est aussi une priorité en termes de coopération pour le gouvernement français. Et on va essayer de travailler tous ensemble pour offrir à vos étudiants la meilleure préparation possible pour leur départ en France. Merci encore de votre accueil.
À bientôt. On aura l'occasion, je pense, de se revoir. On est dans un marché où la concurrence, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, la concurrence pour attirer les meilleurs étudiants chinois est féroce. Les Américains, les Australiens, les Anglo-Saxons, de manière générale, sont très présents. Et moi, ce genre de rendez-vous, ça me permet ensuite de signaler aux établissements français où il faut aussi aller se positionner, quel type de, dans quelle université ils peuvent aller développer de nouveaux partenariats pour que la France reste une destination prioritaire pour les étudiants chinois. L'idée de pouvoir justement accompagner les universités chinoises à former leurs étudiants avec une petite patte française, pour nous, c'est l'assurance que ces étudiants qui seront passés par la France seront ensuite des ambassadeurs pour nos entreprises françaises. Ils viennent en France à un moment important de leur vie, c'est les études, c'est là où on se construit, c'est là où on crée des amitiés, c'est là où on découvre des passions, des centres d'intérêt, où pour eux, ils apprennent une nouvelle langue. Donc c'est un vrai investissement. On se rend compte qu'on est, que la formation de ces jeunes élites sert après la diplomatie économique. Alors ce matin, on est à l'entreprise Rhône-Alpes International, qui est une vitrine de la région Rhône-Alpes, ici à Shanghai. On va rencontrer Hélène Ruy, qui est une ancienne étudiante chinoise qui a effectué ses études en France, membre de notre réseau Club France, et un parfait exemple d'un parcours de réussite. Pourquoi la France ? Ça, c'est un sujet très intéressant. Oui. Donc, en fait... Moi, par hasard, j'ai trouvé un cahier de mon grand-père. Mm-hmm. Donc, il a indiqué les mots, les caractères français dans le cahier. Donc, parce que je n'ai jamais vu mon grand-père, donc pour moi, c'est intéressant pour comprendre qu'est-ce qu'il a écrit dans ce cahier. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pourquoi me mobilise pour apprendre le français. Ah, tu as appris à parler français avant d'aller en France. Ouais. J'ai appris le français à l'Alliance française, d'accord, à Shanghai. Mm-hmm. Tu n'as pas eu d'expérience professionnelle en France? Je n'ai pas travaillé en France. Est-ce que tu avais tout de suite envie de rentrer en Chine? Oui, en fait, d'abord, je suis une Chinoise. Mm-hmm. Je suis une Chinoise très traditionnelle. Donc, je préfère habiter à côté de ma famille. De ta famille, d'accord. Et deuxième chose, en fait, je pense qu'une Chinoise comme moi parle le français et a déjà étudié en France. Mm-hmm. Ça peut nous permettre de trouver un poste assez intéressant, mm-hmm, en Chine. Mm-hmm. Donc, et aussi, la Chine, on a une très longue histoire de coopération avec la France. Mm-hmm. Donc, je pense que la Chine a besoin de personnes comme moi pour continuer, développer et renforcer la coopération avec la France. Mm-hmm, très bien. Donc, ça, c'est pourquoi je suis rentrée en Chine. L'Espace Campus France de Shanghai, c'est un service à part entière du Consulat Général de France. Campus France, c'est vraiment l'agence de promotion et d'information pour accompagner l'étudiant du début à la fin de son projet. Là, cet après-midi, si tu m'as dit, c'est essentiellement des anglophones. Non, c'est une française. Là, c'est une française. USCE et Université Normale de Nankin. Ah, super. C'est une coopération, un échange de 4-5 mois. Ouais. Les étudiants, suite à l'examen de leur dossier académique, sont invités à passer un entretien d'évaluation. Notre objectif, c'est de s'assurer que l'étudiant a le niveau académique suffisant pour partir en France. C'est suite à cette évaluation que moi-même et puis l'attaché de coopération universitaire émettra un avis sur le dossier d'études. Et vous êtes combien d'étudiants? 7. Et vous aviez le choix parmi d'autres écoles ou c'est moi, cette école. Les étudiants chinois sont en passe de devenir la première communauté d'étudiants étrangers en France. Donc nous avons besoin d'encadrer fortement cette mobilité, nécessité de rigueur et surtout de qualité de cette mobilité. Donc
Donc là, on arrive à la soirée qui est organisée spécialement pour le 5e anniversaire du Club France, qui est notre réseau d'anciens étudiants chinois qui ont fait leurs études en France. On va aller voir si tout est bien calé, prêt pour la soirée qui va commencer vers 19h30. Donc la personne de Club France arrive, il vient se présenter. Là, donc, ce sont les noms des gagnants. On a lancé un concours vidéo. On a demandé à nos membres de Club France de nous envoyer une courte vidéo sur leur lien avec la France. Quand on a que le monde, on va s'offrir en avatar au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. La France est une histoire d'amour dans laquelle je me suis donnée entièrement. Le thème de la vidéo, c'était la France et moi. Et je crois qu'on là, on a deux beaux témoignages des souvenirs et de comment la France a pu compter dans vos vies. Donc merci encore énormément. C'est un moment qui est aussi satisfaisant parce qu'on est amené à échanger avec des gens qui ont une expérience positive de la France et qui sont un peu l'aboutissement de notre travail. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait au quotidien, d'aller dans les universités, de discuter avec elles, de les mettre en relation avec les établissements français, et bien là, on a physiquement des gens qui ont bénéficié de ce travail, qui ont eu cette expérience d'études en France, qui maintenant travaillent, soit dans une entreprise française, soit dans une entreprise chinoise, et qui nous remercient, qui sont... voilà, qui sont, on va dire, heureux et qui sont reconnaissants à la France d'avoir pu leur offrir cette expérience de vie. Donc voilà, c'est plutôt pour nous des moments satisfaisants et assez agréables à vivre.